Les sujets environnementaux sont des sujets globaux qui sont déterminants sur le plan multilatéral, international, et vont le rester, quelles que soient au fond les évolutions géopolitiques et les tensions qui peuvent exister dans le monde. Les grandes conventions internationales ont un impact direct au fond sur la vie des Français parce qu'elles nécessitent des lois qui vont être mises en œuvre pour appliquer ces grandes conventions internationales, par exemple en matière de biodiversité. Si nous décidons collectivement de protéger 30% de la planète, ça veut dire probablement plus de parcs, aussi bien nationaux que régionaux, plus d'air protégé, aussi davantage d'air protégé dans l'espace maritime. Donc l'impact, ça va être un impact de qualité de vie, ça peut être aussi un impact en termes de diminution des pesticides, des fertilisants. C'est l'ensemble, au fond, des sujets qui touchent la biodiversité au quotidien, c'est la gestion durable des forêts, des pêches, etc. Alors, je ne suis pas diplomate de carrière, je suis quelqu'un qui vient du domaine de l'environnement et qui était une passionnée et une professionnelle de l'environnement depuis 25 ans. J'ai travaillé à la Banque mondiale, j'ai travaillé au programme des Nations unies pour l'environnement. J'ai fait partie de l'équipe qui a préparé les accords de Paris en étant la directrice des affaires européennes et internationales au ministère de l'environnement. Donc j'ai une expérience assez diversifiée du domaine de l'environnement et au fond une grande expérience des négociations multilatérales que je suis au fond depuis plus de 15 ans.